monde, on est mercredi matin, nouvelle sortie. Bienvenue dans cette vidéo. Ce matin, je suis avec mon ami Looping qui est juste là. On a commencé dans ce champ de blé où j'étais déjà d'ailleurs. Et là, première monnaie. Après plusieurs merdasses, je vous la montre. Bon, je suis pas arrivé à identifier ce que c'est. C'est un format phénig, mais je suis pas sûr que ce soit un phénig. Voilà, faudra la nettoyer. Ok, on continue. Marcher vers Looping. Apparemment, il a trouvé une fibule. Oh my god. J'allais dire, on s'en va d'ici. Oh, magnifique. Oh, vénard, quoi. Poudre, elle est belle, quoi. Ah ouais, le bol. Tiens, prends là, je vais juste la faire en gros plan. Ah, génial. Petite dédicace à Racing, Patrick Racing, il se reconnaîtra. Tourne là. Oh, elle est fragile. Ah, fabuleux. Fabuleux, quoi. Excellent. Elle est fragile, là, au niveau du... Magnifique. Et main, tu commences bien, là. Ouais, sympa. Nickel. Ouais, bah, à toutes. À toutes. Allez, à mon tour. De Looping, j'ai creusé un trou là et j'ai sorti ce module. Mais après l'avoir nettoyé un peu, enfin frotté, j'ai l'impression que c'est plus une rondelle qu'une monnaie. Malheureusement, mauvaise surprise. Bon, quand même voir au nettoyage, bon, une sorte de relief de chaque côté. Et à mon avis, ça fait partie de, je sais pas, de quelque chose, d'une déco ou autre. Mais il n'y a pas d'inscription ni quoi que ce soit dessus. Donc je pense que c'est pas une monnaie. Une trouvaille un peu rigolote. Un trou de serrure. Trou de serrure. Voilà, c'est marrant. Bon, on va regarder à travers. Ouais, on voit Looping là-bas, à travers le trou. Allez, à toutes. Alors, on a changé d'endroit, on a trouvé un joli pré qui a été tondu. Vraiment magnifique, un vrai terrain de golf. Bon, on a déjà fait une longueur là, jusque tout au bout, et on est remonté. Et en revenant de la deuxième ligne dans ce trou, une vingtaine de centimètres, une monnaie. La deuxième de la journée, la première c'était une phénig. Et celle-là, ben, ça va être super délicat de l'identifier. Ça ressemble à une napo 5 centimes, enfin, format napo 5 centimes. Ben, j'ai vraiment des doutes. Voilà, la patine est complètement bouffée. Donc, de ce côté, on voit, ouais, je pense que c'est... Je pense que c'est une napo. Là on commence à voir le profil apparaître. Je vais la poser là. J'arrive pas, voilà. Ok, je vous reprends tout à l'heure. Peu de trouvailles dans ce pré, malgré qu'il soit magnifique. Là dans ce trou, une dizaine de 10-15 cm, elle est juste... Elle est où? Elle est là. Elle est juste là. Je vois pas mon doigt. Là. Et... C'est une de Pfennig. De Reich Pfennig. La monnaie anti-bredouille. Voilà, bon, ça te fait toujours plaisir, quoi. Plaisir de sortir des monnaies. Bon, elle est encore en bon état. On voit bien l'aigle. Voilà.
Bon, ça va être la pause dans une dizaine de minutes. Je vous reprends tout à l'heure. On a fait le repas, on est allé dans ce champ de blé coupé. Bon, très peu de choses. Là, on a fait une ligne, on est sur le retour de la deuxième. Et là, une dizaine de centimètres, j'ai fait une monnaie. C'est une royale, on voit de ce côté le blason avec les fleurs de lys. Alors bon, je m'y connais pas assez pour l'identifier. Voilà. Elle a bien souffert. Il y a encore des écritures de ce côté-là. Là, on voit le blason. Voilà, elle a un peu souffert. À tout à l'heure. Looping qui a fait ici presque en surface apparemment. Ouais, 5-10 cm quand même. Une monnaie. Je vais vous la montrer de près, c'est une romaine. Ça c'est du numus. Voilà, bon, on voit des restes dessous. Bon, il y a une bonne concrétion dessus qui s'enlève pas. Sympathique. Ok, on continue. Alors ici, j'ai échangé mon disque et mon Deus de 34 avec le détecteur de looping 67 et son casque. C'est ma première expérience avec un disque de 22 et le casque. Et là, j'ai fait une monnaie. Alors, sans surprise, un Pfennig. Pfennig bien encrouté. Voilà, ça reste une monnaie. Bon, j'aime bien la précision du 22, c'est assez agréable. C'est assez agréable de détecter avec. Très très précis sur les cibles. Voilà, je continue un peu, ça soulage mon bras quoi. À toute. Juste là. Une boucle. Boucle de ceinture sans doute. Voilà. Bon, on va partir de cet endroit. À tout à l'heure. T'as trouvé ta cible? Alors? Éclat d'obus, non. Je sais pas, une attache de quelque chose, j'en sais rien. Ouais, encore pas mal. Ouais. Si vous avez une idée, c'est la bienvenue. Changer d'endroit, là, on vient de faire une première ligne. J'ai fait une de Pfennig dans ce trou. Et on allait partir, enfin ça nous plaisait pas là au niveau, c'est super bizarrement hercé. Et looping apparemment a fait du lourd. Je crois que c'est du blanc. Et du vieux blanc. Hartung, c'est la journée de looping. My god. Oh cochon, ouais. C'est médiéval ça? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Okay, je sais pas du tout quelle époque. Ah ce qui ouais. Est bizarre, regarde, il y a quatre. Elle est frappée que d'un côté, c'est un denier. Denier de Strasbourg. Bah, médiéval. Regarde sur la tranche, on dirait qu'il y a quatre coins. Ah ouais. Ça m'intrigue. Est-ce que c'est vraiment une monnaie ça ou... Ça y ressemble en tout cas. Mais... Ouais, c'est une monnaie avec l'église et le. Une sorte de moine là au milieu. Je sais pas les quatre. Tu vois les quatre points. Ouais là, ouais c'est ça, bizarre, ça on dirait ça. Du pinard. Mais je pense pas parce que ça a l'air d'être du. Soit du billon, soit du blanc. Quoi. Ouais non, vu les motifs, c'est pour moi c'est une monnaie. Pour moi c'est un denier de Strasbourg. À identifier si vous avez une idée.
un joli bouton en plomb sans doute. Ah, je vais me tourner. Il y a Looping à côté qui a fait une belle trouvaille aussi, j'entends. Voilà le bouton assez sympa, je sais pas ce que c'est, du tombac ou du plomb. Et on continue. Et à toutes. Voilà, très belle couronne. Super grande, bien conservée. À toutes. Pas très profond. Encore un bouton, le troisième de ce champ. Alors, 15e de ligne, mais le format est assez étrange. C'est grand comme une monnaie, c'est plat. Premier empire, sans doute. Et il y a des inscriptions autour. Bon, je suis pas arrivé à déchiffrer, ça a l'air assez intéressant. Il est où? Voilà, je vais le mettre au soleil. Voilà, j'essaierai de le nettoyer et de vous montrer en fin de vidéo les écritures autour. Ok, à tout à l'heure. Je vous reprends ici. Donc juste là en surface. J'ai pas regardé encore ce que c'était. On la voit là, sur la tranche. Oh my god, c'est un sestars. Ah, vu le relief, ouais, il est bouffé, mais c'est un sestars quoi. Ah, ouais, c'est sûr quoi. Oh mais ouais. Ah, dommage pour l'état moyen. Ah, il a souffert quoi. Mais c'en est un. Pouah, qu'est-ce que je kiffe ces monnaies. Ouais, là on voit le profil du roi. Et là on voit que dalle de l'autre côté. Ouais, je le sens au relief, c'est vraiment super épais de ce côté là c'est un sestars quasiment sûr. J'essaierai de vous le confirmer. Ah mais quel plaisir, cool. Bah, il est chouette ce champ. On est crevé là, mais c'est pas mal ici. Une méga grosse boucle en fer. Ça sonne à 93 niveau indice. Voilà. En surface. Alors j'ai pas regardé encore. Elle est cachée. Elle est cachée où? Elle est cachée là. En surface, comme elle est là, elle est apparue. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est, je crois, une Dupuis. Si je me trompe pas, Dupuis 5 centimes. Dupuis, Dupré. Je sais plus comment on les identifie. Voilà. Cool. Le deuxième monnaie que je trouve en surface ici. Je vous montre l'autre côté. On voit l'inscription 5 centimes. Bon, bien, bien abîmé quand même. Mais il y a des restes. Cool, je suis content.